Pour ma personne, à ton avis, pourquoi est-ce que beaucoup de gens petits demeurent petits? Eh bien, la raison est toute simple, c'est que beaucoup de gens petits demeurent petits parce qu'ils pensent petitement. Oui, ma personne, il y a de la magie dans le fait de voir grand. Et puis même, après analyse, je me rends compte que réaliser des grandes choses n'est pas forcément plus difficile que réaliser de petites choses. De ma personne, tu l'auras bien compris dans cette vidéo. Je vais voir avec toi un résumé du livre de David G. Schwartz qui s'intitule « La magie de voir grand ». Parce que si tu veux atteindre une vie élevée, il va falloir que tu te fixes des objectifs élevés. Je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je te donnerai deux choses. Première chose, je te parlerai du prochain livre qu'on verra ensemble. Et deuxième chose, je te donnerai l'astuce qui te permettra d'améliorer ton leadership. Mais aussi et surtout, je t'invite vivement à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien qui te conduira directement sur ma chaîne Facebook parce que sur ma chaîne Facebook, je partage un contenu impressionnant. Mais aussi et surtout, je mets mon numéro WhatsApp sur lequel tu pourras m'écrire pour qu'on ait une relation un peu plus personnelle. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je te laisse avec le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Oui ma personne, tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble un résumé du livre de David G. Schwartz qui s'intitule La magie de voir grand, you know. Tout d'abord, je vous remercie pour ceux qui sont prêtés au jeu de choisir quel livre est-ce qu'on devrait étudier ensemble. Vous avez été nombreux à opter pour ce livre. C'est la raison pour laquelle je vous propose un résumé aujourd'hui. Alors, ce livre, c'est The Livre. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert ce livre grâce à Thierry Niamen qui avait passé une interview et il parlait justement de ce livre en disant qu'il y a de la magie dans le fait de voir grand. Et depuis lors, je m'étais promis de le lire. C'est un livre qui a été écrit il y a un peu plus de 30 ans. C'était un best-seller, plus de 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, traduit en beaucoup de langues. Et il est écrit sur plus de 350 pages, reparti en 13 chapitres. Chaque chapitre revêt une clé pour augmenter ton leadership, pour améliorer tes relations avec les uns et les autres. Mais aussi et surtout, ça donne les clés d'une vie réussie, tant sur le plan professionnel, social que familial, l'uno. Alors, en ce qui concerne David G. Schwartz, auteur de ce livre, c'était un professeur d'université aux États-Unis. C'était aussi et surtout un expert en leadership, mais aussi et surtout, c'était un chef d'entreprise, you know. Pour réussir, il faut t'y croire. C'est quoi réussir? Pour certains, réussir se résume à avoir une belle maison, une bonne vie de famille. Pour d'autres, réussir se résume à avoir un super job. Pour certains encore, réussir se résume à avoir beaucoup d'argent. Tout ceci montre que on ne peut pas donner une définition univoque à la réussite. Mais si on peut englober tout ça, réussir, c'est le fait d'atteindre les objectifs qu'on s'est soi-même fixés. Mais encore, il faut pouvoir croire en ses chances de réussite. On connaît tous le passage biblique qui dit que la foi peut déplacer des montagnes. Malheureusement, très peu de gens croient que par la foi, on peut déplacer des montagnes. Bilan des courses, il y a très peu de gens, pour le dire, personne qui arrive à déplacer les montagnes juste par la foi. Bon, entre nous, soit dit, penser qu'on peut déplacer des montagnes juste par la foi, moi aussi j'ai du mal à y croire, tu vois un peu. Mais, quand il s'agit de réussite, chacun d'entre nous a les clés qu'il faut pour pouvoir atteindre la réussite à partir du moment où il croit en ses moyens. Pourquoi? Parce que la méthode vient toujours à celui qui croit en ses moyens, you know. Donc, sache que l'attitude positive, la conviction, la confiance en soi sont les armes, l'énergie nécessaire à l'action. Ma personne, sans une certitude inébranlable, les hommes n'auraient jamais mis le pied sur la lune. De ma personne, c'est hyper important que tu prennes confiance en toi-même. Et je t'invite à faire un petit exercice. Regarde les gens qui sombrent dans la médiocrité. Tu verras que ce sont des gens qui s'accordent très peu de valeur. Par conséquent, ils en reçoivent très peu. A l'inverse, regarde les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie. Tu vas voir que ce sont des gens qui s'accordent beaucoup d'importance, s'accordent beaucoup de valeur et par conséquent, on leur accorde
beaucoup de valeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire que tu es à l'image de tes pensées. Si tes pensées estiment que tu as beaucoup de valeur, si tes pensées sont celles de quelqu'un qui a confiance en lui-même, les gens te feront confiance. Mais si c'est l'inverse, les gens ne te feront pas confiance. C'est aussi simple que ça, ma personne. Bon, maintenant, tu vas me demander comment faire pour avoir confiance en soi. David Gichoise, à travers son livre, nous donne 3 astuces pour pouvoir cultiver la confiance en soi, ma personne. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, c'est quelque chose qu'on peut acquérir en pensant et en agissant d'une certaine manière, you know. Alors, première astuce, c'est de toujours penser succès et jamais échec. Oui, ma personne, penser succès et penser échec, c'est un choix. Donc, fais le bon choix. Parce que le cerveau, ceci de vicieux, c'est que si tu penses succès, ton cerveau se conditionne à planifier le succès et donc, il trouve les moyens de réussir. Alors qu'à l'inverse, si tu penses échec, ton cerveau se conditionne à planifier l'échec. Donc, fais le bon choix. Deuxième astuce, c'est quoi? C'est que ne te dévalorise jamais. Je répète, ne te dévalorise jamais parce que tu vaux beaucoup mieux que ce que tu penses. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de réaliser quelque chose dont tu ne t'es jamais pensé capable? Tu me diras oui. Donc, ma personne, ça prouve bien que tu es capable de beaucoup plus de choses que ce que tu peux croire. Troisième astuce, ma personne, vois grand. Oui, ma personne, il faut voir grand parce que ton niveau de réussite dépend de ton niveau de confiance en toi-même, ma personne. Voir grand, ça te coûte 0 franc CFA. De quoi tu as peur, ma personne? De quoi tu as peur? Vouloir posséder un jet privé. Oui, pourquoi tu ne peux pas posséder un jet privé? Si ça a été conçu, ça a été conçu non pas pour les animaux, ça a été conçu pour les hommes. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas te déplacer, je ne sais pas, de Yaoundé à Douala en jet privé? Ceux qui le font ne sont pas plus intelligents que toi. Mais c'est juste que ce sont des gens qui ont voulu rêver grand. Ce sont des gens qui ont voulu voir grand. Et donc, quand tu as de grands objectifs, tu as forcément plus de chances de mener une grande vie. Et donc, tu as forcément plus de chances d'avoir plus d'impact dans ce monde. Et si tu es sur cette chaîne en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part, tu aimerais avoir beaucoup d'impact sur ce monde. Donc, ma personne, vois grand. L'exquisite ou maladie de l'échec. Pour David Gichoise, l'exquisite, en fait, c'est une maladie fatale de l'esprit dont est victime les personnes qui échouent. Parce que regarde bien, si tu étudies les gens qui sont à l'échec, tu verras que ce sont les mêmes gens qui sont toujours portés à trouver les excuses. Ils ne sont responsables de rien. C'est la faute de l'État, c'est la faute de la famille, c'est parce qu'on les a attachés au village, c'est la sorcellerie, bref. Maintenant, fais le contraire. Étudie la vie des personnes qui ont du succès. Tu verras que les personnes qui ont du succès auraient pu eux aussi utiliser toutes les raisons, toutes les excuses que les personnes qui ont de l'échec utilisent. Mais non, les personnes orientées succès ne le font pas. Ce qu'elles font, c'est que oui, c'est peut-être pas de ma faute, mais quelque part, je suis responsable de ce qui m'arrive. Donc, ils s'orientent aux solutions et se disent, bon, avec ce qui se passe, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis moi-même fixé? Et le fait d'être orienté excuse à ceci de vicieux, c'est que plus tu te répètes une excuse, plus ton cerveau intègre cette excuse-là comme étant une réalité et plus ça devient ta réalité et ça t'enferme dans ce monde des excuses-là. Et donc finalement, si c'est ce qui suit, ma personne, si tu t'amuses à étudier les gens qui sont toujours portés à trouver une excuse, tu verras que très souvent, il y a 4 excuses récurrentes. Première excuse, l'excuse de la santé. Ouais, je ne me sens pas bien, j'ai la migraine. Ouais, je me sentais patraque ce matin, c'est pour ça que je ne suis pas allé faire mon sport. Arrête, ma personne. Plus tu t'inquiètes pour ta santé, moins tu te sens bien. Deuxième excuse, l'excuse de l'intelligence. Parce qu'en ce qui concerne l'intelligence, les hommes avec grand H commettent 2 erreurs. La première erreur, c'est de sous-estimer leur propre intelligence. Et la deuxième erreur, c'est de surestimer l'intelligence des autres. Donc, qu'est-ce qui se passe très souvent lorsqu'il y a une offre d'emploi? Puisque toi, la question de l'intelligence te pose problème, eh bien, il y a une personne qui, la question de l'intelligence ne lui pose pas de problème. Et lui, paf, il te pique le job. C'est comme ça, ma personne. Et puis même, beaucoup de gens font une très mauvaise corrélation entre la réussite à l'école et l'intelligence. Non, ma personne, ce n'est pas parce que tu es un échec scolaire que forcément tu es un raté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 9 formes d'intelligence. Sauf qu'à l'école,
très souvent, ces quatre formes d'intelligence qui sont mises en avant. Donc, ma personne, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Si tu as un échec scolaire, peut-être que toi, tu es bon au foot. Donc, exploite ce talent-là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et puis, on connaît tous des gens très bons à l'école, mais qui n'ont rien accompli de grand. Et à l'inverse, des gens qui n'étaient pas très bons à l'école, mais qui ont accompli d'énormes choses. La preuve, la majorité des multimilliardaires africains sont des illettrés. Et puis même, quand tu regardes Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Aliko Dangote, Bill Gates, ce sont des gens qui n'ont pas énormément de diplômes. Ils ont arrêté l'école beaucoup plus tôt que les autres. Mais ils ont accompli des choses juste extraordinaires. C'est pour te faire comprendre que les personnes intelligentes s'entourent de personnes plus intelligentes qu'elles pour faire prospérer leur affaire. Et je ne le dirai jamais assez, l'orientation qui guide ton intelligence est beaucoup plus importante que ta quantité de matière grise, ma personne. Alors, comment guérir de l'exquisite de l'intelligence? Première chose, ne sous-estime jamais ton intelligence. Deuxième chose, tâche de garder à l'esprit que ton attitude compte plus que ton intelligence. Troisième type d'excuse, l'âge. Je suis trop jeune, je suis trop vieux. Je préfère parler de l'excuse « je suis trop jeune ». Tu sais, ma personne, tu as le choix entre voir ton âge comme un atout ou alors voir ton âge comme un handicap. Mais toujours est-il dit que l'âge n'est un obstacle que pour celui qui pense que l'âge est un obstacle. Et puis, ce que tu oublies, c'est que je pense que tu es trop jeune pour adopter certaines fonctions. Ce que je peux te dire, c'est que peu importe la fonction que tu prendras, tu auras toujours des personnes plus âgées que toi. Mais il y a une chose qui va mettre tout le monde d'accord, ce sera tes compétences. Ce sera les chiffres que tu réussiras à faire parce que les chiffres ne mentent pas. Quand tu fais les chiffres, les gens te respectent et ils te donnent ta place. Donc fais les chiffres, ma personne. Non, tu n'es pas trop jeune pour entreprendre. Et puis, on vit dans une société dans laquelle, très souvent chez nous en Afrique, on pense qu'il y a un âge pour être con et il y a un âge pour être intelligent. Non, ma personne. La relation entre l'intelligence et l'âge, il n'y en a pas. Quatrième type d'excuse, l'excuse de la chance. Ouais, ça c'est très récurrent. J'ai une seule chose à te dire par rapport à ça. La chance, c'est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité, ma personne. Parce que dis-toi que il y a tout le temps des opportunités, mais c'est parce que tu n'es pas préparé que tu n'arrives pas à saisir ces opportunités-là. Si tu sors dans la rue, tu vas toujours voir une maison à vendre. Mais comme tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas saisir cette opportunité-là. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ma personne, prépare-toi. Ma personne, la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la réussite. Je vais aller plus loin. Les plus belles choses, les plus belles opportunités de la vie se trouvent derrière la peur. La peur, c'est quelque chose de réel. Donc, il n'est pas question de nier la peur. Mais il est question de composer avec la peur. Parce que la différence fondamentale qui existe entre les personnes à succès, les personnes qui ont moins de succès, la différence fondamentale qui existe entre les riches et les pauvres, j'aime bien parler d'argent parce que ça se comprend mieux, et puis notre devise c'est cherchons l'argent. La différence fondamentale entre les riches et les pauvres, c'est que les riches composent avec la peur, ils agissent malgré la peur, alors que les pauvres se laissent paralyser par la peur et par conséquent n'agissent pas. Simple exemple en ce qui concerne l'investissement. Quand il s'agit d'investissement, les riches et les pauvres ont tous peur d'investir. Sauf que le riche, lui, il va se dire, c'est vrai, j'ai peur. Mais puisque son envie de gagner est supérieure à sa crainte de perdre, le riche investit intelligemment, bien sûr. Et justement, c'est pour ça qu'il gagne. Alors que le pauvre, puisque sa peur de perdre est supérieure à son envie de gagner, eh bien, il reste pauvre. Et le remède de la peur, devine ce que c'est? C'est l'action, ma personne. C'est l'action. À chaque fois que tu auras peur, ferme ton cerveau et agis. La prise de parole en public, c'est un exercice hyper, hyper pertinent en ce qui concerne le fait d'affronter sa peur. Beaucoup de gens ont du mal à lever la main pour prendre la parole en public. On a le trac, on se sent pas bien. Mais une fois qu'on a commencé à parler, ça y est, la peur s'estompe. C'est une belle démonstration du fait que l'action inhibe la peur. Comment voir grand, ma personne? Mais avant, je vais répondre à une question, c'est pourquoi est-il utile de voir grand? Il est utile de voir grand parce que ton niveau de réussite va dépendre de ton niveau de confiance en toi-même. Bon, maintenant, comment voir grand? La première astuce, c'est que il va falloir déjà que tu identifies tes points faibles
mais aussi et surtout que tu identifies tes points forts. Pourquoi identifier tes points faibles? Identifier tes points faibles va te permettre justement de connaître tes limites, de connaître tes lacunes et justement de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler là-dessus. Mais il ne faut pas se limiter à connaître ses lacunes parce que si tu ne connais que tes lacunes, eh ben, tu auras une très mauvaise appréciation de ta propre personne. Donc, il faut aussi que tu identifies tes points forts parce que le fait de pouvoir identifier tes points forts va te permettre de te rendre compte que tu es capable de faire certaines choses. Tu as de la compétence, tu as des aptitudes et donc le fait de le savoir, ça va permettre d'augmenter ta confiance en toi-même. Ça va permettre que tu puisses te voir sous un très bel angle et cela va te permettre justement d'avoir suffisamment de confiance pour pouvoir passer à l'action, ma personne. Et si jamais de toi tout seul, tu n'arrives pas à identifier tes points forts et tes points faibles, fais-toi aider par un ami. 2. Utilise les mots et les phrases qui ont une image mentale forte. Remplace tes idées limitantes par des idées aidantes. Idées limitantes, je suis nul en business. Idées aidantes, je peux m'améliorer en business. Idées limitantes, ce business ne marchera jamais. Idées aidantes, je vais tout faire pour que ce business marche. Idées limitantes, je suis nul en maths. Idées aidantes, je peux m'améliorer en maths, ma personne. 3. Vois loin, ma personne. Parce que dis-toi que les personnes qui voient loin ne voient pas les choses telles qu'elles sont, mais voient les choses telles qu'elles pourraient être. Parce que comme le dit un penseur, celui qui est capable de voir l'invisible est capable d'accomplir l'impossible, ma personne. Je te prends un simple exemple. Je t'ai dit qu'il y a quelques temps, je vendais des baskets. Tu vois cette basket? De la sorte, les personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, en voyant ces baskets, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, très belle basket, je pourrais l'acheter pour mon enfant. C'est une façon de voir les choses. Mais les personnes qui voient loin, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Cette basket, ça peut être un puissant business. Je peux l'acheter et la revendre. Voilà ma personne. Développe ton imagination créatrice. C'est quoi l'imagination créatrice? L'imagination créatrice, c'est le fait de s'atteler à trouver une nouvelle méthode pour pouvoir résoudre un problème alors que les gens pensent que c'est impossible à résoudre. Tu sais ma personne, dès lors que tu penses que quelque chose est impossible, ton cerveau s'attelle à trouver les raisons de croire que c'est impossible. Alors que si tu décides de penser que c'est possible, eh bien ton cerveau s'attelle aussi à trouver les moyens pour pouvoir résoudre le problème. Donc décompose le mot impossible par impossible. 2. Sois réceptif au progrès. Ne sois pas comme ces gens-là qui sont des partisans du statu quo, qui continuent de penser que non, les choses sont bien telles qu'elles sont, on n'a pas besoin d'améliorer quoi que ce soit. Tout ça pour ne pas sortir de leur zone de confort. Ma personne, tu sais, quand l'automobile a été créée, il y a beaucoup de gens qui étaient contre la création de l'automobile parce qu'ils pensaient que c'était une machine du diable qui venait concurrencer les chevaux. 2. Fais de nouvelles expériences. 3. Cherche sans cesse à t'améliorer. Voilà donc les 4 clés qui te permettront de développer ton imagination créatrice. Tu es à l'image de tes pensées, ma personne. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Moi, ça me fait souvent rigoler quand j'entends les gens dire « Ouais, au fond, c'est quelqu'un de bien. Ouais, au fond, il n'est pas comme ça. » Mais ma personne, nous, on n'a pas les lunettes infrarouges pour voir ce que tu es au fond. Nous, on va te juger à ce que tu nous, à tes actions, à ce que tu fais, à ton attitude. Dans ma personne, sache que ce que tu es à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Donc, soigne ton attitude, soigne l'image que tu aimerais que les gens aient de toi. Et puis, c'est ce qu'on dit, ma personne. Ce sont tes pensées qui déterminent ton attitude, qui déterminent ton action. Et dont les gens te jugeront à partir des actions que tu poseras. Donc, si tu aimerais qu'on te perçoive comme étant quelqu'un d'important, comporte-toi comme quelqu'un d'important. Parce que dis-toi que ton habillement dit quelque chose aux autres. Et ton habillement dit aussi quelque chose à toi-même. Ton apparence compte, ma personne. Donc, soigne ton apparence. Bon, c'est vrai que depuis un moment, on m'insulte par rapport à ma barbe, mais voilà. C'est pas grave. Ceci dit, ma personne, si tu veux te sentir important, commence par te mettre dans la peau de quelqu'un d'important. Ça t'aidera à devenir important, you know. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes
le plus. Parce que dis-toi que si tu fréquentes 3 milliardaires, tu seras le 4e milliardaire. Être bien entouré, c'est capital en ce qui concerne la réussite. Parce que il y a quelque chose de vicieux dans l'être humain. C'est que quand tu as 6 ans et que tu dis par exemple que ton vœu le plus cher, c'est d'être président de la République, tout le monde t'encourage. Tout le monde te dit ouais, c'est bien, machin truc. Mais que si à 17 ans, 18 ans, tu dis encore mon vœu le plus cher, c'est d'être président de la République, les gens vont te dire franchement, laisse ça, c'est pas pour toi, tu peux toujours rêver. Tu as quelqu'un, toi tu es qui pour devenir président de la République? Beaucoup de gens vont déjà casser ton rêve. Alors que si tu es entouré de personnes, de bonnes personnes, eh ben ces gens-là vont t'élever vers les sommets. Je te prends un simple exemple, hein, ma personne. Si jamais tu as envie d'être ingénieur, va voir un ingénieur et pas lui du fait que tu as envie d'être ingénieur. Il va t'encourager à être ingénieur. Alors qu'à l'inverse, si tu veux être ingénieur et que tu vas voir un raté, eh ben le raté va juste te décourager. Il va juste te transmettre sa frustration à lui. Il va juste te transmettre son incapacité à lui. Donc, il faut savoir se protéger de ce genre de personnes-là. Adopte la bonne attitude. Parce que comme le dit Zig Ziglar, ton attitude plus que ton aptitude détermine ton altitude. You know? Parce que ma personne, dis-toi que même à aptitude égale, c'est celui qui aura la bonne attitude qui va pouvoir décrocher le job. Tu vois un peu, non? Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le fond qui est l'aptitude, alors que la forme qui est l'attitude est hyper importante. Alors, c'est quoi les attitudes à succès? Première attitude, c'est développe l'enthousiasme. Mets de la vie dans ce que tu fais. Je te prends un simple exemple. Dire merci. Il y a une grosse différence entre dire merci et dire merci. Tu vois la différence ou pas? Et le merci signifie ah, je suis content, je t'exprime toute ma gratitude. Alors que le merci, ça veut juste dire, c'est juste une formalité quoi. La personne t'a dit merci, machin truc. Nous sommes des êtres d'émotion, donc c'est important de savoir mettre la forme dans tout ce qu'on dit. Deuxième attitude à succès, donne de la valeur aux autres. Parce que dis-toi que le désir le plus important d'un être humain, c'est de se sentir important. Si tu réussis à combler ce désir-là chez chaque être humain, tu pourras lui faire faire ce que tu veux. Tu pourras obtenir de lui ce que tu veux, ma personne. Alors, comment donner de la valeur aux autres? Première astuce, parler aux autres de ce qui les intéresse. Deuxième chose, appeler les gens par leur nom. Parce que le nom d'une personne, c'est la chose que les gens aiment le plus entendre. Troisième chose, faites des compliments sincères à ma personne. Un compliment, ça te coûte 0 franc, mais ça peut te rapporter des millions, you know. Et troisième attitude à succès, c'est que si l'argent t'intéresse, si tu souhaites devenir riche, mets-toi au service des autres. Quand tu te mets au service des autres, comme il se doit, l'argent suit naturellement. Parce que très souvent, les gens ne te paieront que pour ce que tu sais faire mieux que eux. Cherche toujours à apprécier l'autre. Ma personne, dis-toi que en chaque personne, la nature de l'homme, c'est d'être imparfait. Donc, en chaque personne, il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Tu as le choix, quand tu es en face d'une personne, entre te concentrer sur ce qu'il y a de positif chez la personne ou alors te concentrer sur ce qu'il y a de négatif. Si tu choisis de te concentrer sur ce qu'il y a de positif chez cette personne, tu vas commencer à l'apprécier. Et donc, la nature humaine veut que si tu apprécies une personne, la personne t'apprécie en retour. Une idée moyenne menée à bien a 100 fois plus de valeur qu'une idée exceptionnelle qui reste dans ta tête. Et puis, comme le dit Achille, si ton idée reste dans ta tête, eh bien, sache que même ton argent là va rester dans ta tête. Pour ainsi dire, ma personne, une idée ne sert à rien tant qu'elle n'est pas mise en pratique. C'est vrai, le savoir, c'est un pouvoir potentiel. Donc, pour que le savoir devienne un pouvoir effectif, pour que le savoir devienne un pouvoir réel, il faut que ce savoir-là soit mis en pratique, you know. Parce que dis-toi que la différence entre les passivistes et les activistes, c'est que les activistes passent à l'action. Ils n'attendent pas le moment parfait pour passer à l'action. Ils se jettent dans le vide et ils construisent leur parachute pendant la chute. Alors que les passivistes, ils réfléchissent. Ils ne passent pas à l'action. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent que l'eau soit à la température parfaite pour se jeter à l'eau.
Et bien ce qui se passe, c'est que plus ils réfléchissent, plus ils analysent et plus ils sont paralysés et ils finissent par ne pas agir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Leur confiance en eux-mêmes diminue. Contrairement aux activistes qui ont pris l'habitude de passer à l'action, de passer outre leur peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Leur confiance en eux-mêmes augmente. Donc, ma personne passe à l'action. Et puis même, ma personne, comment tu fais pour savoir si ton idée a de la valeur quand tu ne la mets pas sur le marché? Il y a une seule façon de savoir si ton idée a de la valeur. C'est que il faudrait que tu réussisses à trouver une personne qui est prête à acheter ton idée. Si personne n'est prêt à acheter ton idée, ça veut dire que ton idée ne vaut absolument rien. Alors, en ce qui concerne l'action, il y a un truc hyper important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'action précède l'action. Parce que dis-toi que même pour faire avancer une voiture, il faut déjà mettre le contact, tourner la clé pour que la voiture puisse se mettre en route. Donc, beaucoup de gens attendent l'inspiration pour se lancer. Non, ma personne, lance-toi et l'inspiration viendra parce que l'action précède l'action. C'est que des fois, je n'ai pas envie de réviser. Des fois, je n'ai pas envie d'aller faire du sport. Des fois, je n'ai pas envie de lire même. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse? Et là, j'éteins mon cerveau, j'arrête de réfléchir parce qu'à force de réfléchir, je deviens paralysé. Je me dis, bon, ok, je le fais, c'est tout. Et une fois que je suis dans l'action, eh bien, je suis lancé et j'y vais jusqu'au bout. Et c'est quand j'ai fini que je me dis, ah, j'ai bien fait de m'y mettre. Dans ma personne, l'action précède l'action. La différence fondamentale qui existe entre les gens qui connaissent du succès et les gens qui sont bons dans l'échec réside dans leur rapport à l'échec. Les gens qui sont bons dans l'échec voient l'échec comme une fatalité. Alors que ceux qui ont du succès voient l'échec comme une leçon, comme une expérience et décident d'apprendre la leçon et de continuer à avancer. Parce que contrairement à ce que les gens pourraient penser, les gens qui réussissent échouent beaucoup plus qu'ils ne réussissent. Et puis comme le dit quelqu'un, pour réussir une fois, tu devras échouer 100 fois, ma personne. Malheureusement, très souvent, comme c'est le succès qui fait beaucoup de bruit, on n'entend que le succès. Et on nie tous les échecs que la personne a connus pour pouvoir réussir. Donc ma personne, si j'ai un conseil à te donner, c'est échoue vite. Échoue tout, échoue encore et encore. Ce n'est que comme ça que tu pourras réussir, ma personne. Tu ne peux pas confier ton avenir au hasard. Ce n'est pas possible. Fixe-toi des objectifs. Imagine une personne qui se lève le matin, qui se sape, qui va dans une agence de voyage, se dirige vers le guichet et puis, quand la caissière lui pose la question de savoir où est-ce que vous voulez aller et qu'il dise « je ne sais pas ». Tu vas le prendre pour un fou, n'est-ce pas? Eh bien, dis-toi que dans la vie, c'est pareil. Fixe-toi un objectif parce que tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Non, ma personne, tu ne peux pas. Le fait d'avoir un objectif, ça va conditionner ta façon d'agir, ta façon de penser, ta façon de te comporter. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Alors, comment se fixer un objectif? Déjà, pose-toi une question. À quoi est-ce que j'aimerais que ta vie ressemble dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans? Tant sur le plan professionnel que sur le plan familial et même sur le plan social. Parce que dis-toi que les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui savent précisément où est-ce qu'ils veulent aller. Ils savent précisément ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils savent précisément ce qu'ils veulent accomplir. Et sache que tu n'accompliras que ce que tu décides d'accomplir. Et tu ne peux pas confier ton avenir au hasard, ma personne. Et un des objectifs. Deuxième chose, c'est que pour atteindre un objectif, il va falloir que tu fragmentes ton macro-objectif en micro-objectif. Ça veut dire que si par exemple pour toi, à la fin de cette année, tu aimerais avoir 100 000 francs dans ton compte en banque, eh bien dis-toi que pour avoir 100 000 francs en 12 mois, il va falloir que chaque mois tu aies un minimum, un peu plus de 8 000 francs chaque mois de côté. Tu vois? Troisième chose, c'est que une fois que tu as fixé ton objectif, une fois que tu l'as segmenté en micro-objectifs, donne-toi un délai, ma personne. Quatrième chose en ce qui concerne les objectifs, écris ton objectif sur le papier. Et puis, à chaque fois que tu voudras poser un acte, prends 2 secondes pour te poser la question de savoir est-ce que l'acte que je veux poser me rapproche de mon objectif ou m'éloigne de mon objectif? Bon, ma personne, on arrive au 13e chapitre de ce livre qui est « Comment devenir un leader ?» Si tu veux penser comme un leader, prêche par le bon exemple. Et si tu veux connaître la suite,
achète les livres, ma personne. Je ne peux pas tout te donner. Tu vois un peu, dans la description, il y a le lien qui t'amènera directement pour acheter ces livres. Vas-y, achète les livres. Parce qu'il y a des choses qui transforment la vie d'un homme. Les personnes que cette personne rencontre et les livres que cette personne lit. Va acheter les livres, ma personne. Donc voilà, ma personne, ainsi s'achève la vidéo. Et comme je te l'avais dit, je vais te présenter le prochain livre qu'on verra ensemble. C'est le livre de MJ de Marco qui s'intitule L'autoroute du millionnaire. You know, il fait 500 pages. Donc, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Donc, je tiens à préciser quand même que ce livre m'avait été proposé par Emmanuel Toutoumé. On est ensemble, Emmanuel. Je ne le connaissais pas du tout et je l'ai découvert grâce à lui. Merci, Emmanuel. Et franchement, j'ai commencé à le feuilleter. Il est pas mal. On en discutera sur ma page Facebook. Donc, on va t'abonner parce que il y a des trucs méchants, méchants. Donc voilà ma personne. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos vidéos une fois qu'elles sont publiées. Et je te dis à ma prochaine vidéo. Minakado.